Hein. Bon, il souffre beaucoup, M. Mélenchon notamment, hein, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez, hein? Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête? C'est vous, et c'est vous, parce que vous, parce que, moi parce que, mais oui, bien sûr, votre moi parti, mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que le RPR, l'UDF, le PS et le PC, vous voulez que... J'ai dit, par contre, ce que j'ai dit, monsieur, ça je le maintiens, que les imbéciles, regardez-moi, monsieur, dans les yeux, les imbéciles qui distribuent des faux tracts, qui me traitent de nazi ou qui racontent que j'ai des maisons et des c'est voitures. Non mais je sais pas monsieur, je sais que ceux qui font ça et qui seront punis par la loi sévèrement, on verra. Ce qu'on va voir c'est que dans ce pays tout n'est pas permis, vous comprenez déjà, avec... Démontrez comment j'ai 40 000. Vous savez pas, mais vous parlez quand même. Sénateur, regardez-moi ce gros imbécile. Sénateur, exactement, on ne peut pas être sénateur. Oui monsieur, vous êtes un gros imbécile. Voilà, parce que je disais. Eh oui mon bonhomme, on ne peut pas être sénateur et député en même temps. Alors je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile. Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je ne te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Eh, regardez-moi moi dans les yeux. Alors, je gagne 40 000 euros, comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? Pas du tout, pas du tout. Vous savez rien du tout. Vous avez un pois chiche à la place du cerveau. Et vous autres, l'extrême droite, voilà ce que vous êtes. Eh oui, exactement. Est-ce qu'on fait la loi dans la rue? Ah bah aussi, oui, c'est vrai, oui. Bon. Ça s'est produit que ce que vous appelez la rue, comme tous les grands bourgeois méprisent la rue. Comment, les grands oui, mais bourgeois, nous, ça s'appelle les manifestations, attendez, ça s'appelle le rue. Peuple. Vous mais vous dites oui. La rue. Mais depuis, vous êtes... depuis deux siècles, tout mais ce qui vient de la rue est méprisé. Le peuple, la liberté le peuple, est venue de la rue, monsieur. Mais le peuple, la liberté est venue de la rue. Vous. Donc vous arrêtez avec ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Oh. Vous arrêtez. Non, non, écoutez, monsieur Mélenchon, je ne présente pas. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, est-ce que vous en avez... Mais ça rend sourd. Hein. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palice? Je suis sourd de depuis... naissance. Oui, de naissance. Vous avez quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Oh là là. Ah bon, reculez pour rien. La démagogie et vous, ça connaît. Hein. Quant à vous, vous êtes grossier, vulgaire. Ah, parce que... Vous... Non, 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 vous, Bourdin, vous allez vous calmer parce que je n'ai jamais dit non, ça. Non, d'abord. Ça d'accord serait... Oui, vous allez vous. Mais les mots que vous employez. Je vais. Non, mais vous polémiquez là. Ça. C'est pas le cas. Non plus. Je n'ai pas du tout ça que j'ai voulu faire croire. Et votre petite tyrannie intellectuelle pour essayer d'intimider les gens ne marche pas avec moi, car je suis prêt à me foutre de votre gueule pendant des heures. D'accord. Donc... Et moi, je m'excuse, mais ce que vous racontez, ça concerne personne dans mon quartier. Personne s'est dit, tiens, je préférerais dans une maison close qu'aller chercher les putes au coin de la rue. J'ai jamais entendu quelqu'un me parler de ça. Sinon, vous et votre sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier. Donc avec moi, vous parlez de politique et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, non, mais ce que je veux dire... Non, 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 c'est fini. Non, mais vous terminé. Vous m'avez emmené sur le terrain. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Les vaches ont les mouches et moi je vous ai vous. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vos réponses m'intéressent? Oui, mais moi, vos questions ne m'intéressent pas. C'est ça le problème. Donc il y a une incompatibilité entre nous. Et vous êtes tombé dans cette politique spectacle, dans cette politique vous voulez pas me répondre, vous allez faire durer ça combien de temps? Qui est profondément ainsi que le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-dément. De ça vous laisse une bonne moitié. Je vous observe et je me rends compte que alors, vous prenez un plaisir extrême à vous écouter parler. D'accord. Oui. Mais vraiment une jouissance, hein, et on le voit d'ailleurs, quel que soit mais votre interlocuteur. Mais qui vous êtes pour me parler comme ça? Vous mais moi je ne suis rien, je suis simplement quelqu'un qui vous écoute. Non, vous êtes un avocat talentueux et très cher, qui donne des leçons aux autres. Attendez, qu'est-ce qui vous permet de dire que ça me fait jouir comme vous dites? Mais parce que ça qui se voit, vous êtes. Ça se voit. Ah ouais, ça se voit, d'accord. Ça se voit. Ben, vous savez pas ce que c'est que la jouissance apparemment. Et quand on a parlé... Mais ça se passe pas comme ça. Quand on a parlé... Pas bon. Comme vous disiez sur la Croix il y a quelques mois, quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, que c'était le décadence de la République. Hein? Parce que... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez quelle dire. Époque, quelle époque? Quelle époque? Il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Voilà. Qu'est-ce que c'était il y a 6 mois? Excusez-moi, je ne me rappelle pas. Vous dites n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français? C'est à peu près compréhensible, parce que moi, votre niveau me dépasse, je ne vous comprends pas.
Je sais pas, t'as pas le pouvoir encore. On verra quand t'auras le pouvoir. Eh ben, tu verras à ce moment-là. On verra à ce moment-là. Et comme ça, tu pourras aller pleurer partout. Eh ben, on verra. Bleh, on verra. Je suis toujours trahi. On verra. Bleh, j'ai de la peine. Ben, c'est ce que surtout, ne faites rien. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Tire-en la bonne. Pas que moi qui le dis. Oui, oui. Tire-en la bonne conclusion. Ne fais rien. Reste couché. Ok. Ne fais confiance à personne. Reste couché. D'accord. Comme ça, tu seras jamais trahi. D'accord. Aime pas une femme, elle pourrait se barrer. Donc, toi, aime pas ton gosse, il pourrait t'envoyer balader. Donc, tu feras des promesses que tu. En tout cas, certains ont découvert que vous voyagez en business ou en première dans l'avion de retour à la Réunion quand des députés femmes, Mathilde Panot et Danielle Obono, qui vous accompagnaient, étaient en classe économique. Je vous pose la question parce que, oui, Jean-Luc Mélenchon, ça peut surprendre certains. Mais oui, mais bien sûr, c'est un débat de fond. Qu'est-ce que je foutais non, là non, c'est pas un débat mais de fond. Mais vous me faites rire, vous cherchez tous les. Ça peut étonner. Ça peut étonner, bah, évidemment, comme vous le répétez, votre collègue déjà de France Info l'a fait. Alors écoutez, je vais répondre en un seul mot. Chacun d'entre nous a payé sa place d'avion et évalué. La dépense qu'il voulait faire. Chacun d'entre nous paye sa place d'avion, d'accord ? Donc moi j'ai évalué, compte tenu des expériences lombaires malheureuses que j'ai fait en classe économique, que je ne pouvais pas m'offrir le luxe de me faire démolir physiquement trois jours avant une manifestation, enfin une semaine avant. Mais j'apprécierais que les mêmes qui s'intéressent à mes places d'avion se soient intéressés à savoir ce que j'ai foutu à la Réunion et quelle est la situation. Les mêmes n'en ont pas dit un seul mot. Donc vous comprenez, après ça, madame, pourquoi on vous déteste ? Est-ce que vous le comprenez ? Voilà, c'est pour ça. Que vous déteste, parce que vous êtes mesquin, mais oui, mais on croirait, merci, vous savez que je suis allé en classe affaires pendant que les autres étaient condamnés. Non, chacun a choisi, d'accord ? Moi, je ne peux pas faire autrement, pour des raisons qui m'appartiennent, je ne suis pas obligé de vous raconter voilà, ma vie. Mais voilà. Pourquoi vous me cherchez sur un et sujet voilà, pareil ? C'est stupide, non, vous voyagez en quoi, vous, en classe économique ? Ah, oui. Madame Martichon ? Il y a Madame Le Pen, tout le monde a compris. C'est chacun pour soi, ma tribu, et périssent les autres. D'ailleurs, elle n'est pas une candidate, elle est un faire-valoir. Vous la mettez devant n'importe qui, et de toute façon, c'est une table, une chaise, une chèvre, où M. Macron, il est élu. Mais bien sûr, vous le savez tous. Le journaliste, à ce moment-là, écrit, parce qu'on est plus débeux, décryptage. Hein autrement dit, pourquoi autrement dit ? Pourquoi autrement dit ? Le dit suffit, non ? Non, il faut que ça soit autrement. Hein ? Décryptons. En clair, dit le journaliste. Parce que ce que dit toute personne est forcément confus. Hein. Et on ne va surtout pas faire l'effort d'essayer de comprendre. Donc en clair, je vous ramène ça au format prévu, c'est-à-dire si vous voulez du poisson, la formule c'est poisson pané. Coupé en rectangle, voilà. Et tant que ça n'a pas la forme d'un rectangle, c'est pas du poisson. Et c'est pas consommable. Donc les idées, c'est pareil. Il faut que ça soit dans le format qui vous permet de l'avaler. Là-dessus, voilà que j'entends trois perruches sur Canal+, et leur métronome qui s'en prenait à moi. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local ? Au nom de quoi ? Qui vous a donné cet ordre ? Je suis un parlementaire ! Touchez pas, monsieur Mélenchon ! Vous ne me touchez pas ! Vous ne me touchez pas ! Non, je ne vous touche pas ! Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local ! Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier ! La République, c'est moi ! De l'islamophobie ? Vous avez le sentiment qu'il faut que, à l'occasion d'une campagne présidentielle, on vient ici dire « Oui, vous avez le droit de vous haïr, c'est une très bonne idée. » Non, je pense à Charb, qui était votre camarade, à qui vous avez rendu un hommage formidable, qui a fait une lettre ouverte aux idiots de l'islamophobie. Vous vous souvenez de son texte ? Mais oui, puis il a le droit. C'est une démocratie, ce pays. D'où ma question sur le droit à l'islamophobie. Non, mais je vais vous dire, est-ce qu'on a le droit à la judéophobie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a le droit à la judéophobie ? Je vous réponds, stupide ! Vous connaissez le vieil adage, la différence entre un journaliste et un mannequin. Eh bien, le mannequin, il ne mange pas pour garder la ligne, et le journaliste, il garde la ligne pour manger. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe. D'accord ? C'est pas mal. Ça existe. Oui, oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un pays où il y a la peine de mort, qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on adhère pas à la convention internationale. Là, vous décrivez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. Je ne soutiens aucune dictature. Nulle part dans le monde je n'ai soutenu un dictateur. Je suis l'homme qui a des décorations pour avoir aidé des gens à sortir de prison sous les dictatures. Ça suffit, cette espèce de doute que vous essayez d'étendre sur moi. Le reste du temps, vous fermez votre grande bouche. Mais bon. Tu vois, c'est une télévision associative. Oui, tu vois, moi, je suis bénévole. Oui, moi, je suis même pas payé dans mon boulot. Voilà. Tu vois. Bah alors, pourquoi tu poses des questions que me pose BFM, moi, pose que me pose iTélé, que me pose. C'est dans ta tête. Bon, alors, d'accord. Moi, je ne connais pas ces gens-là, moi. Voilà.
Alors, oui, tu as raison, tous les politiques sont des traîtres. J'ai pas et... dit ça. Non, si, si, attends, note-le. C'est parce que et d'ailleurs, tous les hommes sont des menteurs et toutes les femmes sont des tordues. Qu'est-ce qu'il y a encore comme généralité que dans l'histoire, les Bretons sont têtus. Attends. Quand on fait des promesses. Les Bretons sont têtus, les Corses sont de mauvaise foi. T'as jamais remarqué que quand vous faisiez des promesses. Attends, je réfléchis. Mais vous, qui je suis, moi? Mais qui t'es-toi pour me parler comme ça? Je te mets. Sur le sujet, moi je vous ai posé une question concrète, madame. Votre mépris me laisse indifférent. Vous ne m'impressionnez d'aucune manière et j'ai en effet l'intention de combattre votre infâme parti et votre infâme politique partout où je le pourrai. Voyez-vous, je vous ai posé une question, mais vous ne me répondez pas. Parce que vous êtes une double hypocrite.